Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal Toute Image sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. C'est la saison des avocats. Profitez-en. En plus de ses qualités gustatives, l'avocat est riche en minéraux et en vitamines. Il est connu pour sa teneur en antioxydants considérés comme neuroprotecteurs. En effet, les antioxydants permettraient de prévenir les maladies d'Huntington, de Parkinson et d'Alzheimer. Ce lundi, l'indice météorologique est repassé au vert en Martinique. Les représentants des salariés ont annoncé la fermeture jusqu'au 15 septembre de l'hôtel Batelière pour des raisons techniques. Rappelons que l'hôtel a été placé le 6 août dernier en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fort-de-France. L'affaire sera examinée mardi prochain, le 27 août, par le tribunal mixte de commerce qui se prononcera sur l'avenir de la structure. Plus de 120 emplois sont en jeu et les salariés se disent prêts à se battre. La Guadeloupe a présenté ce mois-ci les premiers résultats du plan pluriannuel d'investissement PPI lancé en octobre 2023 visant à améliorer la gestion de l'eau. Ce plan, doté d'un budget de 320 millions d'euros pour 2024-2027, a déjà permis d'achever 9 projets représentant 22 millions d'euros d'investissement. Parmi les réalisations notables, on compte la réhabilitation de l'usine de Désauteur à Sainte-Anne, la modernisation de l'usine de Belin à Port-Louis et le renouvellement des infrastructures de captage à Trois-Rivières. Actuellement, 14 projets sont en cours pour un investissement total de 34 millions d'euros et 8 nouveaux projets d'une valeur de 20 millions d'euros sont programmés. La signature d'une convention quadripartite entre l'État, la région, le département et l'Office de l'eau sécurise le financement du PPI visant à réduire les interruptions d'eau pour les habitants. Le livret A est un placement populaire en France, offrant un rendement net d'impôt attractif, garanti par l'État, avec la possibilité de retirer ses fonds à tout moment. En 2024, environ 80% des Français en possèdent un. Malgré une inflation en baisse à 2,9%, le taux du livret A reste stable à 3% jusqu'en 2025. Cependant, il est crucial de respecter la règle d'un seul livret A par personne. Depuis 2024, des contrôles anti-doublons sont en place avec des amendes pouvant atteindre 459 euros pour les contrevenants. Le Nutri-Score fête ses 3 ans. Son but est d'aider les consommateurs à mieux choisir leurs aliments. Pour ce faire, il classe chaque produit selon un score qui fait la différence, pour 100 grammes, entre les composantes négatives, sucre, sel, acide gras saturé, et positives, vitamines, fibres, protéines. La note se décline selon une échelle de 5 couleurs associée à des lettres allant de A, meilleure qualité nutritionnelle, à E, moins bonne qualité nutritionnelle. Ce logo influencerait déjà un Français sur deux dans ses choix de produits alimentaires, selon Santé publique France. C'est à partir de ce lundi 26 août que se réunit au Tonga le Forum des îles du Pacifique, dont font partie la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Si le changement climatique tiendra une large place dans ce sommet, la rivalité sino-américaine s'y invitera forcément sous une forme ou une autre. Quant au FLNKS, il a d'ores et déjà demandé aux Frères du Pacifique de prendre en considération les remarques et les recommandations des rapporteurs spéciaux auprès de l'ONU. Ces derniers ont en effet tiré la sonnette d'alarme à propos de la situation du peuple autochtone Kanak en Nouvelle-Calédonie.
Le FLNKS affirme par ailleurs se donner le droit de défendre les intérêts du peuple kanak dans le cadre du droit international autochtone. Emmanuel Macron s'est entretenu vendredi avec les leaders de la gauche et de la droite, ainsi qu'avec ceux de son camp. Il reçoit ce lundi les représentants de l'extrême droite et les présidents de l'Assemblée et du Sénat, l'objectif étant de désigner un nouveau Premier ministre. Le coup d'envoi des Jeux paralympiques sera donné mercredi à Paris. La flamme est arrivée en France hier, dimanche, après avoir traversé le tunnel sous la Manche. C'est la première fois que la France accueille les Jeux paralympiques, créés en 1948. Ce sont plus de 10 tonnes de cocaïne d'une valeur d'un milliard d'euros qui ont récemment été saisies sur un chalutier au large de la Martinique par les forces armées aux Antilles. C'est leur plus grosse prise sur un bateau en haute mer. Pour comparaison, 11 tonnes de cocaïne avaient été interceptées aux Antilles sur l'ensemble de l'année 2023. La drogue sera détruite en Martinique. 9 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue et mises en examen à Fort-de-France. Les autorités françaises et brésiliennes cherchent à améliorer les conditions de vie et de santé très préoccupantes dans leurs zones transfrontalières, particulièrement isolées. À Saint-Georges de l'Oyapock, en Guyane, l'association ID Santé a déjà ouvert la case ID, un centre qui propose un accueil de jour pour les femmes victimes de violences. La RS guyanaise a en outre annoncé l'ouverture d'un centre de coopération transfrontalière en santé d'ici à la fin de l'année. Ce centre vise à faciliter la continuité des soins pour les patients brésiliens hospitalisés en Guyane, tout en développant des protocoles communs entre les hôpitaux d'Oyapoque et ceux de Cayenne. Sont également prévues la construction d'un EHPAD et la reconstruction de l'hôpital de proximité. Enfin, pour lutter contre le paludisme, des médiateurs de santé communautaire fourniront aux populations locales des kits d'auto-diagnostic et d'auto-traitement. Dans le cadre de la coopération franco-brésilienne en matière de santé, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane, Dimitri Grigowski, s'est rendu ce mois-ci à Oyapock pour l'élaboration d'un projet de création d'une maison des femmes transfrontalière dans la région. Une protection de 72 heures sera ainsi garantie aux victimes de violences. 10 femmes pourront bénéficier d'un hébergement d'urgence temporaire. Par la suite, elles seront prises en charge par des services d'accompagnement adaptés de part et d'autre de la frontière entre la Guyane et l'État brésilien de l'Amapá. Les rapporteurs du projet Oyapock Coopération Santé ont en effet observé dans cette région une banalisation des violences faites aux femmes. Jeanne Borlado, directrice de l'association DEPAC Frontera à Oyapock, a déclaré que son organisation avait accueilli environ 300 femmes victimes de violences conjugales en 2023. Vendredi dernier, 23 août, aux environs de 7h10, les pompiers et les policiers ont été appelés à intervenir sur le boulevard Général de Gaulle, à Fort-de-France, en face du marché de l'asile. Le corps d'une femme, déjà en rigidité cadavérique, Marcel Poirier, gisait dans une voiture. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le véhicule était resté 2 jours stationné à la même place. Une autopsie a été demandée pour déterminer les circonstances exactes du décès. Les 7 déchetteries gérées par le SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, sont inaccessibles depuis vendredi dernier pour cause de grève. Le personnel dénonce le non-respect d'un protocole d'accord
signé à l'issue de la dernière mobilisation et signale des cas de violence psychologique ainsi que de mauvaises conditions de travail. Samedi, les deux parties se sont retrouvées autour de la table et ont pu trouver un accord. Celui-ci devrait être rédigé et signé ce lundi. Vendredi, en fin d'après-midi, au marché du Gros Morne, s'est tenu un grand meeting d'information prônant l'unité martiniquaise. Pendant plusieurs heures, de nombreuses figures associatives, syndicalistes, mais également politiques, se sont succédées au micro. Parmi les sujets abordés, le démantèlement des services publics, l'exil forcé des enseignants martiniquais vers la France alors que des postes sont vacants sur l'île, ainsi que la radiation arbitraire de soignants malgré la pénurie de personnel médical. L'événement a également été l'occasion de revenir sur le vol des terres, une question sensible qui continue à enflammer les débats. Le monde de la santé est endeuillé après le décès le jeudi 15 août, à l'âge de 77 ans, du docteur Bertrand Cardy. Le docteur Bertrand Cardy a exercé en Martinique en tant que médecin généraliste depuis 1976 au sein du cabinet de Schœlcher avec pour associé le docteur Roy-Camille. Le Centre culturel Jean-Marie Sérault a accueilli pendant les vacances une opération intitulée « Mardi du Bel Air ». Cette manifestation culturelle, gratuite et ouverte à tous, donne une dernière fois rendez-vous au public demain, mardi 27 août. En France, une nouvelle loi impose que tous les appareils numériques mis en vente, tels que les smartphones, tablettes et consoles de jeux, offre une option de contrôle parental dès la première mise en service. Cette mesure, entrée en vigueur le 13 juillet dernier, vise à permettre aux parents de restreindre l'accès à des contenus inappropriés, tels que les contenus pornographiques, violents ou incitatifs à la consommation d'alcool et de stupéfiants. Les fabricants doivent rendre ces fonctionnalités faciles d'accès et compréhensibles et les proposer gratuitement lors de la première configuration de l'appareil. Ils ne peuvent pas utiliser les données recueillies via ce dispositif à des fins commerciales. Cependant, cette nouvelle loi ne couvre pas les appareils importés en Europe avant le 13 juillet, ni les navigateurs Internet, permettant ainsi aux mineurs d'accéder à tout site web, même ceux normalement interdits aux moins de 18 ans. La surveillance du respect de cette loi est confiée à l'Agence nationale des fréquences, qui peut prendre des mesures contre les fabricants et distributeurs qui ne se conforment pas aux directives, comme par exemple des amendes ou tout simplement le retrait de produits du marché. Le tableau des médailles olympiques est devenu un outil géopolitique utilisé par les nations pour démontrer leur puissance. De fait, cet événement, bien que supposé être une fête universelle, renforce souvent le nationalisme avec l'affichage de drapeaux, d'hymnes et autres maillots. Quant à l'Union européenne, elle n'y a pas de représentation unifiée. En comparant les résultats obtenus au cours des JO de Paris dans trois sports, considérés comme universels depuis la rénovation des Jeux en 1896, athlétisme, gymnastique et natation, on observe des disparités notables. Parmi ces sports, l'un particulièrement, du triple saut. Trois ex-Cubains étaient par ailleurs sur le podium du triple saut pour l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Les lancers, autrefois dominés par les États-Unis et l'Europe, se mondialisent également, avec des médailles remportées par des athlètes d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. S'ils ont brillé en athlétisme, très peu de sportifs des pays du Sud ont en revanche atteint les finales en natation et en gymnastique, deux des autres sports les plus anciennement représentés aux Jeux Olympiques. Quant à la Chine, des médailles. Par contre, des nations comme l'Australie et les Pays-Bas, avec des populations beaucoup plus réduites, parviennent à se hisser parmi les meilleurs, notamment en athlétisme et en natation. Il y a quelques années, les vaccins s'adressaient principalement aux enfants, car c'était là qu'étaient la plupart des besoins non couverts. Désormais, même si les laboratoires cherchent à améliorer les vaccins pédiatriques,
la majorité des vaccins en développement sont destinés à l'adulte, car c'est là qu'un nouveau besoin a été identifié. La pandémie de COVID-19 a sensibilisé les populations à la vulnérabilité des personnes âgées. La réponse immunitaire diminue avec l'âge, si bien que les seniors sont plus sensibles aux infections. Et lorsqu'ils en contractent, leurs conséquences sont aussi plus sévères. Ainsi, l'insuffisance des couvertures vaccinales des personnes âgées de plus de 65 ans vis-à-vis de 4 maladies infectieuses parmi les plus sévères pour cette tranche d'âge, grippe, COVID-19 et zona notamment, crée un fardeau médical et économique de plus en plus lourd dans une population qui vieillit, selon l'Académie nationale de médecine. Aujourd'hui, la couverture vaccinale des personnes âgées reste faible. Les laboratoires développent activement des vaccins adaptés aux besoins de ces personnes, anticipant une augmentation de la demande liée au vieillissement de la population. Mais la réticence à la vaccination reste un défi majeur. Les laboratoires cherchent à inverser cette tendance en proposant des vaccins combinés et surtout en simplifiant les protocoles de vaccination. Allez-vous suivre les Jeux paralympiques avec autant d'intérêt que les Jeux olympiques ? Bon, ça dépend des jeux que je peux regarder, c'est tout. Et ça y va. Non, pas du tout, parce que j'ai même pas suivi les Jeux olympiques. Ça m'intéressait pas. Peut-être pas autant d'intérêt, mais j'essaierai de suivre, parce que le travail reprend et ça va être difficile de suivre, comme pendant les vacances, quoi. Mais normalement, oui, c'était prévu. Je n'ai suivi aucun, pas du tout. Parce que ça me disait pas, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Pour moi, ça m'intéresse pas ces choses-là. Ouais. Parce qu'il y en a trop de problèmes en Martinique, ça m'intéresse pas. Ben, pas forcément, non. Vraiment, j'ai plus suivi les Olympiques. Là, j'ai plus suivi le basket, l'athlétisme et tout ça. Là, je pense pas que je vais, non. Pas trop. Non. Je sais pas. Non, en vrai, je sais pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que peut-être que je connais plus ces athlètes qui font plus les Jeux Olympiques, voilà quoi. Et Paralympiques, je connais pas, en fait, tout simplement, ça m'a jamais intéressé, tout simplement, je sais pas, tout simplement. On va pas suivre l'autre sujet, donc c'est pas ta maman qui suit. Okay. On va pas savoir. Moi, t'es occupé. Non, mais moi, les Jeux Olympiques, je suis pas souvent, alors Paralympique encore moins. Je cible quand même quelques trucs, mais non, Paralympique, non. Allez-vous suivre les Jeux Paralympiques avec autant d'intérêt que les Jeux Olympiques ? Non, pas spécialement. Hein. Pourquoi ? Mais parce que j'ai pas le temps pour les... J'étais en vacances, j'ai eu le temps de regarder tout ce qui se passait au niveau des Jeux Olympiques. Mais là, j'ai pas le temps. Paralympique, non, j'ai pas le temps. Mais ça veut pas dire que je ne vais pas regarder quand même. Quand j'ai le temps, je jette un œil quand même. Mais bien sûr, beaucoup plus, parce que c'est plus difficile déjà pour ces sportifs-là, puisqu'il y a l'handicap. Hein. Donc il faut quand même leur donner le même message que les autres qui sont à 100%. Donc allons-y et puis... remportons toutes les médailles, ça va voir. Oui, bien sûr, oui, parce que pour nous, c'est des sportifs de haut niveau quand même, donc ils ont leur place dans le même milieu que des sportifs normaux, on va dire, sans handicap. Bah, exactement la même chose que mon conjoint. Et c'est vrai que c'est important aussi de suivre également les Jeux paralympiques également. Non, je suis venu aux Paralympiques avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Parce que les jeux pour les... comment dirais-je moi ? Les personnes physiques normales, ouais. C'est plus financier, plus commercial, plus ce qu'on veut. Ouais. Tandis que Paralympique, lui, il est ouais, il a ceci, il a cela. On veut voir son effort beaucoup plus, même pour moi. Même directement, son effort est plus... Et plus
Mais il était encore le mien. Même moi que je suis normal, Oui. Ceci n'est pas une plaisanterie. Rappelez-vous, au dernier trimestre de l'an dernier, Gabriel Attal a révélé les classements par académie de 820 000 élèves de cours préparatoires, de cours élémentaires, cours moyens, 6e et 4e. Et figurez-vous que les derniers, les moins bons élèves de toute la France, eh bien, ce sont ceux des Outre-mer. En français, voici le classement de la queue du peloton, 28e Martinique, 29e Réunion, 30e la Guadeloupe, 31e la Polynésie, 32e la Guyane et 33e Mayotte. En mathématiques, ça ne change pas beaucoup. Les Outre-mer sont toujours derniers. La Réunion en 28e position, la Martinique en 29e, la Guadeloupe 30e, la Polynésie française 31e, la Guyane 32e et Mayotte 33e. Alors, bien entendu, toute espèce d'explications sont données. Une culture française qui n'est pas tout à fait la nôtre, un niveau de vie qui est différent, une langue régionale qui contrarie le français, c'est tout juste si on ne nous sort pas les séquelles de l'esclavage. Mais à aucun moment, le corps enseignant n'est mis en cause. Et pire, c'est là qu'on voit arriver et qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une plaisanterie. Eh bien, un de ses membres, un syndicaliste, a demandé au rectorat de bien vouloir relativiser pour ne pas traumatiser les enseignants. Il faut, a-t-il préconisé, une communication positive pour éviter une stigmatisation indue. Qu'est-ce que c'est une communication positive? Mais laissons ça. Nous vous disons ça là, comme ça, mais franchement, ça donne quelque part envie de pleurer. Des enseignants sont en charge en Martinique de former les élèves, et c'est eux qui, de toute la France, réussissent le moins bien cette mission, mais il faut surtout ne pas le leur dire pour ne pas les stigmatiser. De tels sondages n'ont pas été faits quand, après l'esclavage, au temps de la colonisation, les parents martiniquais ont projeté leurs enfants avec force, et souvent de force, sur les bancs d'une école où enseignaient ce que l'on a appelé à ce moment-là les enseignants de la République. Et les résultats ont été au rendez-vous. Des petits-fils d'esclaves sont devenus médecins, professeurs, avocats, inspecteurs des impôts, etc., etc. Aucun complexe à avoir par rapport aux autres Français. Et pourtant, hier, ils avaient les mêmes handicaps qu'aujourd'hui. Cultures différentes, langues différentes, plus grande pauvreté, etc., etc. En réalité, il faut au contraire demander des comptes au monde de l'enseignement et faire en sorte qu'à l'avenir, il soit plus performant. A-t-on jamais vu la règle de 3, le théorème de Pythagore ou la formule de l'eau s'adapter à la culture des petits bourguignons, des petits auvergnats ou des petits bretons? Il n'est pas sûr que le petit martiniquais comprendrait mieux Césaire, Glissant ou même Chamoiseau que Balzac ou Corneille. Non, non. Il faut assumer notre classement et tout mettre en œuvre pour être les premiers, là où nous sommes aujourd'hui les derniers. Les enseignants doivent faire exactement ce qu'ils demandent aux élèves de faire à longueur de journée, des progrès. Ils doivent se ceindre les reins comme de vaillants hommes. Premièrement, la visite d'embauche sera remplacée par une visite d'information et de prévention et sera instruite par un professionnel de santé du service de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail, et ce dans un délai qui n'excédera pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Deuxièmement, s'agissant du suivi médical, la périodicité des visites sera fixée en fonction des conditions de travail, de l'état de santé, de l'âge du salarié, ainsi que des risques auxquels ce dernier est exposé. Cette périodicité peut dépasser 5 ans
pour un suivi normal. Troisièmement, s'agissant de la procédure d'inaptitude médicale, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement. Et enfin, s'il a procédé à un échange par tout moyen avec l'employeur. Si le médecin du travail estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver cette décision, il réalisera ce second examen dans un délai qui n'excédera pas 15 jours après le premier. C'est la fin de ce journal Tout Image. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception, Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Genie Georges, Marie-Flore Rosa, François Augustin, Daniel Diaz, Pierre Laouchevitz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Passez une excellente soirée et que Dieu garde la Martinique.